Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue de la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Astroneer. Donc du coup, on va se repréparer pour finaliser le petit plan qu'on s'était mis en place, c'est-à-dire de ramener, hop, voilà, les panneaux solaires aux alentours à la base pour s'en servir comme énergie. Par conséquent, je construis le treuil. Hop. Qui va nous permettre de tracter une fois sur le... Voilà. Hop. Parfait. On va aller chercher le premier panneau solaire. En évitant de tomber dans les trous. Ça serait peut-être pas mal. Faut savoir que je vais en chier autant si jamais je fais tomber l'arrière. Ok. Et donc, faut que je me rappelle comment fonctionne ce treuil. Ok. Alors, c'est là qu'on va dans... Voilà. C'est cool. Tout simplement. Ah, je vais être hors de sa portée. Ah, merde, je l'ai. Ok, cool. On va rapprocher encore un peu, c'est pas grave. Hop. Bonjour. Voilà, je devrais être bon, je présume. Allez, viens avec papa. Ça va être si dur que ça, honnêtement. Il fait déjà nuit. C'est rigolo comment il tombe. Alors, comment je vais me débatouiller pour réussir le tractage. Ben alors, bon, j'étais bon là. Ah. Ah merde. Pourquoi tu veux pas? Où? Eh, tu peux me respecter un poil? Non. Tu vas obéir, hein, parce que c'est pas... C'était pas une question quand je t'ai dit que t'allais le tracter, en fait. C'est ça le truc, c'est que je crois que t'as compris que ça allait être une question, mais... Voilà. C'est que ce bordel. Alors soit il est encore enfoncé quelque part, ce qui m'empêche de le tirer, ce que je comprendrais dans le pire des cas. Mais ça semble pas être le cas. Pourquoi tu veux pas te... Merde, honnêtement là, merde. Je me casse les fesses pour réussir un truc. Tu veux bien? Oh. 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 Oh là là, on est en train de le perdre le pauvre. Ok. Je te mets là, on va voir si ça fait une différence pour toi. Non. Bon, bah, je reviens.
On va bien, on va voir si je peux pas le faire ou pas. Oui, chers amis, alors du coup, on va essayer de le prendre par la base. Il se pourrait que je le prenne mal, en fait. Mais alors, comment je vais le faire tourner? Bon, apparemment, il bouge, hein. Pour le coup. C'est pour ça que ce soit ça le problème, en fait, tout simplement. Ok. On est parti. C'est ça. Et regardez l'énergie qu'il est en train de... Oh, la vache. Déjà, il est plus dans le bon sens. Ce qui est une véritable catastrophe, selon moi. Oh oui, tourne. Tourne. Merde. Il va se tourner dans le bon sens, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Non? On va y arriver. Allez! Pas ton vilain! C'est ça que je voulais faire. Essayons de faire autrement. Alors, par là, s'il te plaît. On peut pas. Je suis arrivé déjà à la base. Il faut que j'arrive à le pousser, sinon je vais pas y arriver du tout. Allez. Allez. J'essaie de le faire réagir, je sais pas trop comment. En bourrant un peu, je reconnais. Mais bon, on a réussi à le tracter déjà, c'est déjà ça. Toi, tu m'emmerdes, ça je te le dis hein, tout de suite, hein, je vais pas te mentir. Tu me fais bien chier. Et bien par là. Voilà, comment je vais faire pour le retourner. Hop, voilà, casse-toi, tu pues. Comment je vais faire pour le retourner? Parce que là il est à moitié dans le caca, hein, faut le dire. Ok, peut-être que comme ça je peux y arriver. Voyons voir. Allez. Il veut pas. T'es J'y ai cru. Allez, allez, allez. Oui. Non. Allez, allez. Pourquoi tu veux pas te mettre dans le bon sens? Allez. Allez. J'ai dit allez. Ah 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 ah. Je pensais que ça le ferait réagir, vous savez qu'il rebondirait comme un élastique, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il semblerait que j'ai plus de mal que prévu à le placer. C'est une catastrophe. On va essayer sur les cailloux là. Ah, attendez, 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 il y a peut-être une astuce là. Allez! Ah non, j'ai cru. Allez. Et là, si je fais ça. Aha! 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 On remarquerait que j'ai arrêté de bouger quand j'ai vu qu'il commençait à faire un truc sympa. Alors maintenant l'objectif ça va être de le tracter de manière à ce qu'il ne bouge pas, tout en le rapprochant un maximum de cette base. Oh c'est bon. En train d'y arriver. Alors maintenant qu'on est là. Hop. Bouge pas. C'est pas le pactage que je veux. Ah, j'avais dit que ce serait compliqué de le ramener jusque là-bas. Bon, à ce point-là, j'y pensais pas. Non, te retourne pas. Évite les cailloux. Allez, on y est presque. Ok. Normalement. Faut que j'arrive à me câbler dessus par contre. Ah la vache. C'est ce qui va être le plus compliqué, c'est ça? Ok.
Comment je vais faire ça? Vous avez vu où est le... Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Je suis en train de faire un trou pour le planter, hein, comme je planterais une plante. Hein. Hop. Est-ce que je peux? Imaginons. Non. Non, par contre, tomber dans le trou, oui, je peux, ça, c'est pas excessivement complexe. Essayons, hein. Je vais essayer de le planter, hein, comme si je plantais un... Bon, là, techniquement, il devrait pouvoir y arriver. Si je le pousse comme ça. Aha! Aha, il se passe des choses! Apparemment, on est bon. Et donc, parce que je suis... Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu sais pas? Dis-moi. Pourquoi je comprends? Pourquoi tu comprends pas? Je sais bien que c'est ça normalement, mais... Je suis désolé, Florent Pagny, si vous m'écoutez. Si vous me regardez. Je pourris votre chanson, mais... Je suis fan. Oui, c'est une chanson de Bispo, mais bon, c'est pas... Enfin, vous m'avez compris. Merde. Alors, le machin est tombé dans le trou. Oh, c'est parce que je l'avais laissé accrocher. Ah, t'es en train de me dire que accroché, je peux le balader? Non, mais pas maintenant. Mais pas maintenant, mais... Je me rentrais. Hop, on va attendre, c'est pas grave. De toute façon, je crois qu'elle est un peu plus à droite. Regardez. Elle passe au loin. Et de toute façon, je vais être ralenti quand même, donc ça va revenir au même. Maintenant, il faut que j'arrive à le déplacer. Putain, j'étais bien et... Parce que je suis con. Je suis très con. Je tiens à préciser que c'est parce que je suis très con. et au moins il est calé. Allez, tombe! Allez! Ah, je vais devoir tirer dessus. L'angle est peut-être pas si mal. Avec lui, j'aurais pas de soleil le matin, quoi. C'est ça le truc. Je tire encore un peu. Il faudra que j'arrive à caler l'autre dans l'autre sens. Pour avoir du soleil toute la journée. Ok, ça me semble pas trop mal. Alors. Ok. Ok, bah fais ce que tu veux, après tout, hein, si t'as envie de revenir en place. C'est pas comme si je me cassais le fion à se faire en sorte que tu te places bien. C'est sans doute à cause de ça, hein, soyons bien clairs et honnêtes. Oh! Oh, il est en train de décéder. Ok.
Allez, pousse-toi, pousse-toi. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Non. Oh merde. Allez. Si j'avais su qu'on pouvait le tracter comme ça. Oh putain. Oh. Je crois qu'il faut que je me cale bien maintenant. Pourquoi tu veux plus derrière? Bon, et si je dois me caler là, pour que ça marche, je vais le faire. Rien à foutre, hein, comme on dit, hein, dans le métier. Alors, je sais pas si c'est ça. Non, apparemment, c'est les autres panneaux solaires qui me donnent de la puissance. Ça me semble normal, compte tenu de l'angle de celui-là. Faudrait que j'arrive à caler l'autre dans l'autre angle. C'est parti. Hop. Mais avant ça, petite astuce, si vous voulez figer quelque chose, vous faites une sauvegarde, vous revenez au menu principal. Comme ça, c'est clair, c'est figé. Normalement, c'est ce qui est marqué sur le wiki. Hein. Là, si tu veux bien sauvegarder, bien sûr. Oui, voilà, ça y est, il se dit, il veut retourner au menu, je vais peut-être le laisser faire. Voilà, on est bon, on relance, et on est bon. Fais pas ton vilain. Normalement, ça a figé l'objet. Normalement, il faut que je recreuse autour de lui pour que ça réagisse. Espérons que ce soit vraiment le cas. Bonjour. Ça va être casse-couille juste devant, hein, comme ça. Mais c'est pas grave. Alors, on va aller chercher le deuxième objet. De nos désirs, de nos envies, de nos passions. Et de mémoire, il était par là. Alors c'est soit celui-là à gauche, soit celui-là à droite. C'est celui de gauche. Voilà. Bon, normalement on va avoir moins d'emmerdes à le récupérer celui-là. C'est pas dit. C'est pas dit, puisqu'apparemment il serait bien aussi encore figé. Et donc celui-là n'est pas fonctionnel, Marcus. C'est ça que... Ouais, hein, ça serait bien ça. Hein. Eh merde, Kobe. Marcus, t'as pris tes rêves pour des réalités, c'est pas possible. Deux panneaux solaires comme ça, l'un à côté de l'autre. Ce serait trop beau. Bon, bah, ça veut dire qu'il va falloir que je me casse le cul pour préparer l'autre panneau. Alors, sauf si c'était un autre panneau, dans ce cas-là, dites-le moi dans les coms. Mais je doute que ce soit un autre panneau. C'est un caillou, Marcus. Un immense caillou, mais un caillou quand même. C'était par là. S'il veut bien, j'ai l'impression qu'il en chie. Il est censé être plus dynamique, mais il est moins lourd. Donc j'imagine qu'il a peut-être moins d'adhérence. Pardon. Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre. Bon, rentrons. On a du boulot à orienter comme il faut l'autre truc. Comment je vais faire pour l'orienter comme il faut? Faudrait que je l'enfonce d'un côté sur le sol. Oh, le trou! Quand t'as pas de bol. Hop. C'est bon, on s'en est sorti. Il y avait un trou, fallait forcément que je me le prenne. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'arrive à le caler sur le côté, je pense. Et encore, ça changerait pas grand-chose. Ça ne changerait pas grand-chose. Quel est l'angle dont je pourrais me servir? Alors apparemment... Attendez, apparemment il est fonctionnel là, donc on va essayer de faire rapidement un test. Il est pas full puissance, hein. Finalement, si je puis me permettre. Si? Non, hein, je crois pas. Hein. On va aller voir juste pour
comparer, mais j'ai pas l'impression d'être à full puissance. Parce que si ça me rapporte qu'un panneau solaire supplémentaire classique, c'est vrai que c'est peut-être pas aussi valuable que ce qu'on croyait, hein, si je puis me permettre. Et dans toi, je reviendrai plus tard. Voilà, alors si j'ai pris l'organique, c'est pourquoi? C'est pour tester avec le... l'autre. Peut-être que je me rappelle plus trop de l'interface, c'est possible. Si, si, j'étais full puissance, ok. Autant pour moi, j'étais littéralement à full puissance. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon bah ça m'en fait toujours un. Qui fonctionne que la moitié de la journée. Faudrait que j'arrive quand même un petit peu à le mettre en arrière. Je sais que je peux paraître chiant avec ça, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. Allez, encore un peu. Pardon, pas que je tombe pour autant. Bah voilà! Et que demande le peuple? Donc là, sur un peu plus de temps, normalement, je devrais récupérer de l'énergie. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Mais c'est peut-être pas si mal. Donc là, la seule chose qu'il retient en fait, c'est le... c'est le truc. Ok. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'est fonctionnel. Donc voilà, on a un grand panneau solaire à la base. Si ça, c'est pas la classe, à Dallas. Je sais pas si je peux. Qu'est-ce que... Il n'y avait aucune raison qu'il fasse ça. C'est quand même pas le vent. T'es pas sérieux la bonhomme quand tu me fais ça. Et dis donc, c'est pas honnête. Putain. Les contrôles! C'est bon. Hop! Ok. T'es pas aussi penché que tout à l'heure, bonhomme, aussi. C'est ça qui m'emmerde, moi. Si je fais ça... Tu peux pas tomber, hein. Tu ne veux pas, tu ne veux pas, et tu restes planté là. C'est bien ce qui me semblait. Alors après, peut-être que je peux... Couillon, toi, c'est dans l'autre sens que je vais te faire monter. Je vais te faire monter, pas descendre. On peut peut-être gérer le truc, hein, c'est... On peut peut-être le gérer. Je sais pas encore trop comment, mais... Voilà. Je crois que j'ai perdu l'arrière. Ça va jouer à un poil de fion, je crois. Non, 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 mais non, mais te tourne pas, gros débile. Putain, mais les contrôles, quoi. Paye tes contrôles, jeu. Allez, allez, allez. Je vais aplanir l'endroit parce que là, ça va pas le faire. Voilà. Et limite, si je pouvais me mettre là, ça serait encore plus cool. Donc,
Au moins, normalement, là, il est coincé. Pourquoi tu veux plus te... Pour une raison que j'ignore, il ne veut plus se mettre ici. Allons-y comme ça, c'est pas grave. Voilà, ce sera pour la demi-journée. Ce sera pour la demi-journée, c'est presque dommage. Tu peux pas tomber un tout petit peu plus, ne serait-ce que pour me faire plaisir. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. On y était presque. On y était presque. Allez. Voilà, et on a entendu que ça a accéléré un gros coup là. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut pas le bloquer comme ça? Pas du tout. Bon, c'est déjà pas trop mal. Voilà, on va en mettre une là au cas où. On arrête les conneries. J'arrête les conneries, c'est pas grave. On n'est pas trop mal. On a de l'énergie. On est bon. Bon. Eh ben du coup, chers amis, on a accompli l'objectif de cet épisode. Enfin, de cette session, entre guillemets. Maintenant, à voir. Ok. Il est coincé. The fuck. Oh putain. Quand t'as pas de bol. Quand t'as pas de bol. What? Halte au feu. Je veux pas prendre de risques. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je pensais pas que ce serait aussi bizarre d'avoir un truc comme ça sur la base. En tout cas, on se retrouve dans le premier épisode, chers amis. Je vais essayer de débloquer au passage le truc qui restait bloqué dans le module. Et je vous retrouve donc dans le prochain épisode. Salut les gens, et yop, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas fait.